Bienvenue pour cette conférence. Je n'ai pas compté, mais je crois qu'on en est déjà depuis le début de ce cycle à notre huitième conférence. Je suis très heureux d'accueillir Asle Torjo, qui est un spécialiste et commentateur des relations internationales, de la politique étrangère norvégienne. Et de l'écho. Il a été directeur de recherche à l'Institut norvégien Nobel. Il est actuellement membre du comité Nobel norvégien, et on est à ce titre particulièrement heureux de l'accueillir. Vous le savez peut-être, mais il faudra que je vous invite, mais vous le savez peut-être, qu'il y a à Paris, au cercle suédois et norvégien, le bureau sur lequel Alfred Nobel a signé son testament. Oui. Vous le savez ? Oui. Oui, c'est un endroit très bien, j'en suis pas là. Et une petite pièce, et au fond de la petite pièce, il y a le bureau sur lequel Alfred Nobel signa son testament. Donc on est très heureux de vous avoir, à la fois bien sûr parce que c'est une occasion de saluer l'activité du comité Nobel norvégien pour la paix. Évidemment très heureux de vous avoir comme conférencier de l'Institut des sciences politiques de l'Université d'Oslo. Vous avez écrit sur beaucoup de domaines, mais évidemment sur des sujets qui rentrent complètement dans une autre problématique de cette année sur les questions de défense, de sécurité européenne, d'affirmation stratégique des Européens, d'autant que parmi de nombreux livres que vous avez écrits sur les relations transatlantiques entre l'Union européenne et les États-Unis, il y en a un qui interpelle, qui est un peu ancien, puisqu'il date de 8 ans, et qui en français donne l'Union européenne en tant que petite puissance. Et donc là, il y a un concept particulier que vous développerez très tranquillement. On est heureux de voir, dans le courant de cette conférence, on est heureux de recevoir aussi Renaud Belet, que vous connaissez bien parce qu'il est membre du comité scientifique de la chaire, qu'il est régulièrement présent. Lui, c'est un spécialiste des questions de défense, des questions d'armement, des questions technologiques. Après avoir fait, bon, je dirais, le parcours... Ah, vous êtes venu, alors. Vous avez abandonné la bibliothèque, c'est une bonne idée. Hein. Vous avez bien fait. Hein. Et donc après avoir... Non, je regardais un peu les étudiants, le décompte des étudiants ce soir. Et donc Renaud est aujourd'hui en responsabilité auprès de ADS, en charge dans le pôle affaires de MBDA, en charge au sein de MBDA dans le domaine affaires publiques des questions économiques, après avoir été auprès de ADS et de Airbus, responsable du secteur économique. Il enseigne dans beaucoup d'universités, dont celle-ci, à l'Université de Paris 1, à l'Université de Grenoble, qui est assez spécialisée depuis longtemps sur les parcours liés à l'économie de défense, à Saint-Cyr Coëtquidan, et aussi à l'ENSTA Bretagne. Et donc on est très heureux de l'accueillir comme débatteur ce soir. Le principe, Asle, c'est que vous interveniez à peu près pendant le temps que vous voulez, une quarantaine, 45 minutes. Et puis ensuite, je passerai la parole à Renaud. Vous aurez le temps de la discussion. Et puis on garde toujours à peu près une demi-heure pour que la salle puisse s'exprimer. So, the floor is yours. Et on est vraiment très heureux de vous avoir ce soir. Donc, mesdames, messieurs, merci beaucoup pour ces paroles aimables de présentation. Je souhaitais commencer en m'excusant très sincèrement de ne pas faire cette présentation en français. Je suis un barbare venu du Nord et je ne parle pas la langue de Voltaire. Toutes mes excuses. Je souhaite aussi insister sur le fait que je ne parle pas au nom du gouvernement norvégien ou du comité Nobel, même si j'ai conseillé le gouvernement norvégien sur des questions qui ont trait au sujet de ce soir. Le sujet dont nous allons parler aujourd'hui est une question de géopolitique et de culture stratégique. Et aussi, nous allons parler de l'avenir de l'Europe dans la société internationale. Et cela arrive à point nommé que nous ayons cette discussion ici à Paris ce soir parce que la France est l'acteur indispensable de la défense européenne après le Brexit. Le président Macron a récemment affirmé dans le journal britannique Le Guardian
que fondée sur la réconciliation interne, l'UE a oublié les réalités du monde. Ce sont des paroles fortes, mais qui sont néanmoins vraies. Donc, à quelle réalité le président français pourrait-il faire allusion ? Eh bien, premièrement, les États-Unis, en janvier, ont publié leur nouvelle stratégie de défense. Et donc, dans cette stratégie, nos alliés, les Américains, se préparent pour une concurrence géopolitique forte avec la Russie et la Chine. On n'a pas demandé à l'Europe son avis sur cette mission. On lui a simplement affirmé qu'elle serait. Et ensuite, le conflit en Ukraine et la guerre civile en Syrie a réduit l'influence européenne dans son voisinage immédiat. On voit aussi une tendance où les échanges mondiaux libres sont corrompus par des politiques dirigistes et aussi par un protectionnisme dissimulé qui crée des tensions dans pas mal de pays européens. Et puis, nous constatons aussi que la crise des migrants de 2015 a épuisé un quart de siècle de confiance européenne, ce qui était le terreau de la cohésion européenne. Dans ses paroles envers les Britanniques, le président Macron concluait « L'Europe n'est pas une puissance de second rang. Dans votre aimable présentation, vous avez souligné que j'avais écrit un livre où je tirais les conclusions exactement contraires pour dire que l'Europe était une petite puissance. » Récemment, il y avait de grands espoirs concernant un renouvellement d'un traité qui serait un grand pas en avant dans le domaine de la coopération de défense européenne. Mais en fin de compte, le traité a abouti sur à peine plus qu'une clause de défense bilatérale entre la France et l'Allemagne. Mais nous avons beaucoup de telles clauses sur l'UE, sur l'OTAN, à l'ONU, et ça a été une déception que ce renouvellement du traité de l'Elysée, surtout pour moi. Walter Hallstein, le dirigeant de la Commission européenne de 66 à 67, avait raison quand il disait qu'on ne perd pas de temps à parler de défense. En premier lieu, on ne sait pas de quoi il retourne en cela, et ensuite nous serions tous en désaccord. Les tentatives visant à créer une force européenne complète et dotée d'instruments de puissance à une préhistoire assez longue. En 54, la communauté de défense européenne s'est effondrée quand le Parlement français a refusé de voter en ce sens sur des questions de souveraineté. À l'époque, le secrétaire d'État américain John Foster Dulles était contre cette réévaluation si les Européens ne venaient pas à de meilleures décisions et qu'ils ne luttaient pas contre cette menace. Et les Européens n'étaient pas meilleurs pour améliorer leur défense et les Américains ont continué de s'engager pour l'OTAN. Ensuite, deux ans plus tard, en 1956, la crise de Suez a montré que la France et les Britanniques n'étaient plus de grandes puissances mondiales capables d'utiliser la force à une échelle mondiale. Depuis lors, l'Europe a été ce que mon ancien patron et comment dire, le docteur Vater, comme on dirait en allemand, Monsieur Lundestahl, a appelé un empire par invitation. L'Amérique a été le partenaire indispensable de la défense européenne. Et en Europe, depuis le milieu des années 50, les débats sur la domination américaines ont été entachées de la peur de l'abandon par les États-Unis. Et maintenant, on voit cela dans les débats assez chargés sur les 2% de dépenses à l'OTAN, savoir que les États membres de l'OTAN devraient dépenser 2% de leur PIB pour la défense, et les Européens sont encore dans une position où, en même temps,
ils ont un ressentiment envers la dominance américaine et en même temps, ils ont peur d'une possible fin, d'un possible abandon de la part des États-Unis. Dès le début, l'OTAN avait pour but d'être une structure qui tiendrait sur deux jambes, une européenne, une américaine. Et dès le début, on supposait que la puissance et le partage du pouvoir et du fardeau sera à 50-50, ce qui ne s'est jamais passé. Et depuis le milieu des années 60, la défense européenne et la sécurité européenne sont restées fortement dépendantes de la dissuasion américaine. Passons maintenant à une époque plus récente. Depuis la fin de la guerre froide, nous avons vu ce qu'on pourrait appeler une fenêtre d'opportunité, comme on dit, en ce qui concerne l'autonomie stratégique européenne. Le manque d'intervention dans la guerre civile yougoslave, vous vous rappellerez peut-être Jacques Pauls, le ministre des Affaires étrangères luxembourgeois, qui a appelé la guerre en Yougoslavie l'heure de l'Europe. Eh bien, ça ne s'est jamais passé. Cette guerre civile a continué jusqu'à l'intervention américaine. Et c'était la toile de fond sur laquelle se sont déroulées des initiatives bilatérales qui ont été le début de la politique commune de sécurité et de défense en 98, Jacques Chirac a rencontré le Premier ministre Tony Blair au port de Saint-Malo. Ils ont émis une déclaration. La déclaration de Saint-Malo était ambiguë, à savoir qu'elle trouvait un terrain d'entente entre les préoccupations britanniques et françaises. Les Français s'intéressaient au développement d'une capacité d'action autonome de la part de l'Europe et les Britanniques voulaient plus renforcer le pilier européen de l'OTAN. Depuis 1998, il y a eu surtout trois objectifs tels que je les vois dans la défense européenne. Premièrement, créer un pacte de sécurité intra-européenne, à savoir verrouiller les acquis principaux de l'intégration européenne. Le manque de guerre, l'absence de guerre en Europe, et faire en sorte que les guerres aux frontières des États européens soient improbables, voire impossibles. Deuxièmement, donner à l'Union européenne les moyens de mettre en vigueur sa politique, d'appliquer sa politique. Bien sûr, la puissance militaire n'a pas toujours sa pertinence dans la politique internationale, mais parfois, c'est le cas. La capacité à imposer sa volonté aux autres dépend parfois de la capacité qu'on a à modifier les réalités sur le terrain. Et le troisième objectif de la coopération dans la sécurité et la défense européenne était de créer une architecture européenne qui pourrait résister face à un retrait des Américains. Et mes amis, c'est ce que nous constatons actuellement. Même si les Européens n'écoutent pas, les Américains sont en train de s'en aller. Et ça, c'est l'un des aspects politiques qui perdurent depuis l'administration Obama, et cela se retrouve encore dans l'administration Trump. L'Europe n'est plus une préoccupation principale pour la politique sécuritaire américaine. Maintenant, leurs intérêts sont surtout en Asie. Quand l'UE a commencé à développer la dimension sécuritaire et de défense, elle s'est inspirée des déclarations de Petersberg de 92 de l'UO qui se concentraient sur la gestion de crise. Donc, des interventions de sécuritaires de très faible intensité, des actions humanitaires, gestion de crise, etc. Et depuis lors, l'UE a effectué 37 missions. Ça a l'air impressionnant. Mais n'oubliez pas que la plupart de ces missions ont été à toute petite échelle et tellement petite qu'un pays européen de taille moyenne, la Belgique, aurait pu les entreprendre tout seul. Pendant ce temps,
nous avons constaté une énorme prolifération d'institutions, de cellules, de groupes au sein de l'UE qui ont créé ce que les Britanniques appellent une soupe de lettres, de sigles, alphabet soup, comme on le dit en anglais. Et donc, les tentatives visant à créer une politique européenne de sécurité et de défense, telle que cela a été fait, restent une sorte de plaisanterie cruelle quant de ce qui arriverait si on demande à une institution internationale de construire une armée. En fin de compte, on se retrouve avec une ONG. Ça ne revient pas à dire que la PSDC, la politique de sécurité et de défense commune, n'a pas sa pertinence, ni qu'elle est sans but. Néanmoins, par souci d'honnêteté, il faut bien convenir que l'UE a échoué à atteindre quoi que ce soit dans ses objectifs avec une quelconque pertinence géopolitique. Certains disent que la beauté est dans l'œil du spectateur, et on pourrait dire la même chose concernant la puissance. Et si nous regardons comment d'autres acteurs traitent l'UE, il ne fait aucun doute qu'elle n'est pas vue comme une puissance dans la politique internationale, ni par les Américains, ni par les Russes, ni par les Chinois. Le problème, à mon sens, est que dans l'UE d'aujourd'hui, quand les Britanniques seront partis, il n'y aura vraiment qu'un seul pays, il ne restera plus qu'un seul pays qui ait une culture stratégique, à savoir la France. Un seul pays qui ait l'habitude de réfléchir de manière mondiale et qui soit à l'aise avec l'utilisation de la puissance dure. Pour vous donner un exemple du problème qui explique comment l'UE conçoit l'utilisation de la force militaire, revenons à 2003 et la stratégie de sécurité européenne. Le centre de cette stratégie est que l'UE propose que la meilleure façon de réagir à une crise est en empêchant sa survenue. Et bien sûr, vous reconnaîtrez cela dans votre vie quand on vous dit, eh bien, si vous avez un accident de voiture, eh bien, la meilleure façon de l'éviter, enfin, la meilleure façon d'y réagir, c'est de l'éviter. Et donc, en 2013, on a essayé de rédiger une nouvelle stratégie qui était cette fois mondiale. Mais là encore, cette stratégie n'a pas atteint son but, ses objectifs stratégiques. Et elle n'a pas non plus couplé la fin et les moyens de façon significative. Je me rappelle, j'étais en Slovaquie, à Bratislava, quand les États membres de l'Institut de l'UE des études de sécurité, ici à Paris, ont présenté la nouvelle stratégie aux journalistes slovaques. Et après avoir parlé et parlé, ils ont dit qu'il s'agissait d'un exercice d'écoute, mais c'était eux qui ont surtout parlé. Et après un très long exposé, un journaliste a levé la main et a dit « Moi, j'ai un problème, vous ne cessez de parler de valeurs européennes, mais moi je ne peux pas mettre ça dans mon journal parce que personne en Slovaquie ne sait ce que c'est. » Et donc, le problème était que toute la stratégie était fondée sur la défense de valeurs européennes qu'on n'arrivait pas à définir de façon qui ait vraiment du sens. Je vous ai dit que j'allais faire preuve de beaucoup d'honnêteté et de lucidité en me penchant sur la défense européenne, et je me dis que c'est peut-être pour cela qu'on a invité un protestant venu du Nord à s'exprimer devant vous. Et il y a six mots qui touchent la coopération de sécurité européenne. Le premier est une culture de dépendance en matière de défense. La plupart des pays européens trouvent que l'alliance avec les États-Unis ne leur coûte pas cher. Ça ne leur coûte moins cher que d'avoir leur propre défense, et une défense digne de ce nom. Bien sûr,
C'est ce dont parle le président européen, et il a raison. Je ne crois pas que dans l'histoire de l'humanité, une puissance qui est autant de puissance que les États-Unis ait offert des garanties sécuritaires aussi larges tout en recevant aussi peu en retour. Deuxièmement, l'UE n'a aucune évaluation partagée des menaces et elle n'a pas d'intérêts nationaux clairement définis. Elle n'a rien qui soit semblable à quelque chose dans ce sens. Troisièmement, l'UE souffre de ce qu'on pourrait appeler un déficit des attentes en matière de consensus. Et on voit cela encore et encore. Les dirigeants européens, comme le président français, font de très grandes propositions, un nouveau plan, et se rendent compte que la capacité des Européens à se mettre d'accord sur ces politiques est bien plus réduite que ce qu'on pensait au début. Quatrièmement, tout cela a été rendu encore plus difficile par le fait que la gestion des crises, ces engagements de faible intensité, ce qui était vraiment le grand projet de l'Union européenne, que l'Union européenne allait commencer par des petits pas et ensuite aller vers le haut, eh bien, la gestion de crise n'est plus populaire maintenant. C'est tout à fait le contraire. Le genre de rivalité géopolitique dont j'ai parlé, dans lequel s'engagent les États-Unis, sont revenus à l'ordre du jour international. De même, les perspectives de guerre à forte intensité, à fort contenu technologique entre les autres États et l'Union européenne, eh bien, l'Union européenne est très mal préparée à s'attaquer à ces conflits. Ensuite, les Britanniques ont maintenant quitté l'Union européenne. Peut-être pas en pratique, mais en tout cas dans l'esprit. Et même si, du point de vue français, il est tentant de voir l'Allemagne comme partenaire pour faire progresser une identité stratégique pour l'Union européenne, ça n'arrivera pas. La Deuxième Guerre mondiale a tellement modifié la politique allemande que même envisager d'utiliser la force dure, la puissance militaire maintenant, est vraiment polémique en Allemagne. C'est trop difficile pour les dirigeants allemands. Et donc, selon moi, ça ne se produira pas. Et sixièmement, une autre des grandes idées que des universitaires comme moi ont envisagé pour développer une coopération de sécurité et de défense en européenne, la mutualisation et le partage. Les Européens allaient mettre ensemble leurs moyens militaires et partager. Eh bien, ça s'est avéré bien plus difficile à mettre en pratique que ne le suggérait la théorie. Beaucoup de pays européens sont mal à l'aise à partager leurs moyens militaires. Ils n'ont pas envie de les mettre à la disposition des autres. Donc, que faut-il faire? Premièrement, on pourrait penser que l'Union européenne devrait continuer à faire ce qu'elle fait et continuer à avancer tant bien que mal, de continuer de faire ce qu'elle fait. Mais ça n'est pas une bonne solution. Pas vu le climat international actuel. Ce serait vraiment une recette pour la marginalisation de l'Europe. Le président Macron a avancé 4 propositions d'action. Il veut que l'Europe ait une clause de défense mutuelle, quelque chose qui ressemble à l'article 5 de l'OTAN. Il est étonnant de voir qu'il n'y a rien en ce sens en Europe actuellement. Il propose un Conseil de sécurité européen avec la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Il propose d'augmenter les dépenses militaires et
Il souhaite voir advenir un traité qui formaliserait les relations entre l'Europe et l'OTAN, un accord entre l'UE et l'OTAN. Ça, sans aucun doute, c'est la proposition qui s'impose, mais ça ne se produira pas, ça ne se réalisera pas. Toutes ces propositions ont déjà été avancées à différentes époques par différents dirigeants, dans différents contextes, encore et encore, et ça ne s'est jamais réalisé. Et je ne m'avance pas beaucoup en disant que très peu de choses ont changé. Donc, que va-t-il probablement se produire ? Très probablement, l'Europe va être de plus en plus marginalisée dans la politique internationale. Comme le monde devient de plus en plus multipolaire, eh bien, l'Europe ne constituera pas l'un des pôles de cet ordre international, pas en tout cas dans le court à moyen terme. L'Europe se retrouvera à être la cible d'une politique du diviser pour mieux régner de la part des Russes, des Chinois, des Américains, et malheureusement, à mon avis, bien souvent, ces puissances vont y réussir. L'Europe sera enfermée dans un mariage sans amour avec les Américains, fondé sur un modèle transactionnel, parce qu'on ce sera un petit peu comme le syndrome de la cage dorée, pourrait-on dire. On se retrouve enfermé dans une situation qui nous est difficile, mais en même temps, c'est si confortable pour nous que l'on rechigne à en sortir. L'Europe va continuer de se retrouver à la traîne des événements, toujours prise par surprise, à rebrousse-poil, par des événements qui, bien souvent, auront été concoctés par des puissances qui sont en dehors d'Europe. Napoléon Bonaparte a dit que les incidents internationaux ne devraient pas régir la politique étrangère. C'est la politique étrangère qui devrait régir les événements internationaux. Voilà quel est le problème de l'Europe, mes chers amis. Nous sommes dans une situation où ce sont très probablement les événements internationaux qui vont orienter la politique étrangère de l'Europe. Maintenant, j'aimerais conclure sur quelques propositions de ma part. Et je travaille sur la défense européenne depuis de nombreuses années. J'ai écrit des ouvrages sur ce sujet et j'en suis parvenu peut-être à un point de vue qui fera polémique. L'ère du multilatéralisme, est terminée. C'est maintenant l'ère de l'unilatéralisme, Et c'est surtout l'ère de l'unilatéralisme français. Je crois que la seule solution pour que l'Europe ait les moyens militaires nécessaires vraiment pour boxer dans sa propre catégorie sur la scène internationale, eh bien, c'est que la France, unilatéralement, développe les forces dont l'Europe a besoin. Et ensuite, peut-être bien que les Français pourront faire en sorte que les Européens payent pour cette force, exactement comme les Américains essayent de le faire dans le cadre de l'OTAN actuellement. Chers amis, voilà quels étaient mes propos liminaires, et maintenant j'ai hâte d'entendre quelles seront vos questions. Je vous remercie.